réel. Et moi, je pense que c'est un honneur le fait que moi, là, Soya, pour nous capables de partager différents points sur le plan sportif, qu'il s'agit de national ou international. Et moi, vraiment apprécié le travail qu'on a fait dans la communauté haïtienne là, et par rapport avec le football. Et moi, suis de près, surtout en ce qui a trait avec l'apport que tu apportes par rapport avec Inter de Miami. Donc, je pense que au grand travail qu'on fait, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Et la communauté haïtienne a besoin de ce type de monde pour capable vendre l'image de notre sport, qui est le football. Pas seulement le sport, mais de manière générale, un changement au niveau de l'organisation du pays Haïti, et qui est en souffrance par rapport à mauvaise décision politique, par rapport à mauvais choix politique. Parce que je dis, il est nécessaire pour que nous redéfinissions nos institutions, il est nécessaire pour nous redéfinir le pays de manière générale et permettant à l'avenir, l'aime dit l'avenir, c'est la jeunesse haïtienne dans ses composantes qui pour gagner un meilleur traitement par rapport avec le bien-être social. Effectivement, je reconnais que, et en tant qu'ancien footballeur et journaliste, et on t'a fait un coup et dans Radio Ministère et du national. Et bon, tu sais, effectivement, j'ai eu une bonne carrière au niveau de Nations Unies. Plus précisément, c'était la MINUSTAH à l'époque, qui est la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, où j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe qui était PIO. PIO, c'était Dekabadi et Bureau qui t'a géré affaires de communication au niveau des Nations Unies, que ces communications écrites, que ces presse parlées et radiodiffusion, de broadcasting. C'était une radio communautaire, c'était pas une radio commerciale, mais ça n'a pas empêché que, même si c'était une radio communautaire, nous fait apprentissage, nous fait expérience, non. Et nous suivons pile formation, en pile séminaire sur la communication, sur le développement, sur la sécurité. Nous presque passé près de 8 ans à travailler pour les Nations Unies, la radio ministère FM. Et c'est peut-être un lancement carrière moi, au niveau de la communication. Et je dis à et capable dit et en dehors de tout. Et expérience ça yo porté fruit pour moi dans la vie et yo porté fruit tout par rapport avec moun k'ap côtoyé moi et par rapport avec partisans ses partisans famille amis et la trier et qui comprennent jodi par rapport avec ça que me gagne et comme mentalité ça que me gagne comme politique ça que me gagne comme projet et surtout ce milieu qui est le football et notre sport wa. Et pour un jour avant de mourir, pour me t'avoir grand changement, pour me t'avoir que nous gagnons des sélections, nous gagnons des clubs, c'est pas seulement des sélections et des clubs à caractère participatif, mais au moins des sélections à caractère compétitif pour que je dis, dès le premier tour, pour ni club nous, ni sélectionnons les hauts niveaux en compétition internationale, et dès le premier tour, pour éliminer, parce que nous avons les talents et nous avons besoin seulement une meilleure organisation, parce que comme toujours répété, jouer de ça qui est le football, la vie, le sport en général, il manque des trois aspects. Il y a aspect technique, il y a aspect institutionnel, il y a aspect organisationnel, il y a aspect structurel. Bon, c'est aujourd'hui, et il n'y a pas qu'à marcher sans l'autre. Et nous avons besoin mieux pour nous organiser, nous avons besoin mieux pour nous comprendre et déficit technique qui gagne par rapport avec l'autre pays. Je veux dire, nous capables de remarquer. Et dans les Jeux Olympiques, là, garder la victoire de l'Égypte face à l'équipe espagnole. Donc, tout le monde a progressé. Et la République dominicaine, il fait match 1-1. Tout le monde a progressé. Et donc, bon, c'est aujourd'hui. C'est nous-mêmes, peut-être qui.